L'arrivée de Tsui Hark dans l'industrie du cinéma hongkongais à la fin des années 70 se fit sous le signe de la contestation et de la rébellion. La production locale et son box-office, dominés par les comédies de Michael Wee et les wuxiapian léchés de la Shaw Brothers, allaient subir un sérieux coup de fouet avec la nouvelle vague hongkongaise, génération de jeunes cinéastes souhaitant bousculer les choses et dont Tsui Hark était un des chefs de file. Ses premiers films seront ainsi de véritables manifestes à contre-courant des modes du moment, entre le déconcertant wuxiapian Butterfly Murder et surtout L'Enfer des Armes, œuvre coup de poing contre la société de Hong Kong. Si l'on devait faire une sorte d'archéologie esthétique et thématique des œuvres de Tsui Hark, l'élément le plus évident serait le Jiangwu. Le terme Jiangwu, qui signifie littéralement rivières et lacs, désigne la société parallèle qui s'organise en réaction au régime impérial des différentes dynasties chinoises. On y retrouve autant les artistes et des artisans nomades que des commerçants itinérants et des brigands. Le Jiangwu serait pour nous un mélange entre des goliards, des vagabonds, des artisans et des bandits de grand chemin. Il ne définit pas un groupe de personnes en particulier, mais une composition alternative de la société en dehors des lois impériales, donc une décentralisation du pouvoir et une recomposition du corps social avec ses propres lois et codes. Dans le monde chinois contemporain, la survivance du concept dans le langage commun s'est faite à travers le lieu commun qu'est devenu cet espace fantasmé dans le wuxia, comme genre littéraire, mais également pour désigner l'ensemble des groupes et des activités illicites ou illégales de nos sociétés. Ainsi, le Jianghu condense des affects et des idées complexes qui aujourd'hui définissent une partie de la société dont Tsui Hark s'est fait mettre au cinéma. Dès The Butterfly Murders, le cinéaste plonge dans le Jianghu à travers son émanation la plus explicite. Mais il le fait également avec une forme plus établie de wuxia, notamment dans Zhu ou dans Dragon Inn, à travers les artistes, dans Shanghai Blues ou Pékin Opéra Blues. Mais là où l'idée devient un projet de mise en scène et une démarche esthétique, c'est dans la réappropriation poétique du Jianghu. En effet, le concept est à l'origine une expression poétique du philosophe taoïste Zhuangzi, au IVe siècle avant Jésus-Christ, qui utilise le terme pour exprimer la condition humaine dans la matérialité des corps et la possibilité contemplative de l'esprit. Tsui Hark explore donc l'origine philosophique et poétique du concept comme un projet de mise en scène dans Green Snake, où l'attention portée à la photographie et aux couleurs donne une emphase érotique à l'œuvre. Le moine de Green Snake est d'ailleurs confronté à la condition humaine comme Jianghu, entre la contemplation, donc la voie spirituelle, et le désir sexuel, la voie matérielle. Avec Green Snake, Tsui Hark s'attaque à un conte traditionnel très populaire dans le monde asiatique, Madame White Snake. Le récit fut maintes fois transposé sur grand écran, ainsi qu'en opéra ou au théâtre, et la version la plus fameuse jusque-là datait de 1956 et était signée Shirō Toyoda. On imagine aisément que Tsui Hark ait vu ce film lorsqu'il était enfant, puisqu'il avouera plus tard son admiration et l'influence d'Eiji Tsuburaya, un des créateurs de Godzilla, son responsable des effets spéciaux. Le film aura longtemps occupé son esprit, puisqu'une première adaptation fut envisagée à la fin des années 80 avec Gong Li et Anita Mui dans les rôles du Serpent Blanc et Serpent Vert. En s'inspirant d'une relecture récente de l'écrivaine Lillian Li, Tsui Hark détourne les thématiques et le propos du conte originel, qui, même s'il a bien évolué au fil des adaptations, est à l'origine assez puritain. En focalisant le récit sur le parcours initiatique du Serpent Vert, joué par Maggie Cheung, créature insouciante et pleine de candeur, plutôt que sur la seule histoire d'amour impossible de Serpent Blanc, interprétée par Joey Wong, le réalisateur permet au film d'accéder à un autre niveau de lecture. À travers le personnage ultra-rigide du moine, incarné par Tu Man-chuk, Tsui Hark livre une véritable dénonciation de l'obscurantisme religieux, ici représenté par le bouddhisme. Le moine pose un regard manichéen sur le monde, qu'on ressent dès la première scène, où il voit les hommes à l'état de bêtes, et plus tard, dans son incapacité à distinguer les bons des mauvais démons. Lorsqu'un désir coupable lui dévoilera ses propres failles bien humaines, il se livrera à des actes révoltants sous couvert de vertu, afin de les masquer. Les pistes et les repères y sont brouillés. Les femmes serpents sont plus attachantes dans leur quête d'humanité et font instinctivement preuve de plus de bonté que les humains et les religieux. Serpent Vert, faire valoir dans le conte originel, est un personnage totalement immature et incapable d'émotions humaines, constamment en quête de séduction, sans réellement en comprendre le sens. Elle éprouvera ainsi ses charmes, par simple jeu, sur l'époux de Serpent Blanc ou encore sur le moine Tu Man-chuk, provoquant ainsi des réactions en chaîne dramatique. Le duo d'héroïnes est parfait de complémentarité, Joey Wong apportant la touche romanesque classique indispensable en femme idéale, Maggie Cheung cherchant constamment à l'égaler, en vain. Visuellement, Green Snake est un des films les plus foisonnants de Tsui Hark, avec une image gorgée de filtres, des costumes et des corps kitschissimes et rococo, donnant un aspect totalement factice et irréel. Ses parties prises extrêmes s'accordent bien avec l'ambiance de conte,
mais surtout avec les thématiques de l'illusion et de l'éphémère, les femmes serpents ayant le pouvoir de transformer la réalité à leur guise. Le côté bricolé et artisanal de certains effets spéciaux étant par conséquent totalement oublié, et sans doute volontaire. L'atmosphère se fait légère et onirique à la fois, comme un rêve éveillé où l'esthétique quasi expérimentale se marie à une douceur charnelle palpable, la musique envoûtante de James Wong auréolant les images d'une aura céleste. Dans ce monde de pur artifice, Choi Ark réussit l'exploit d'éveiller des questionnements profonds sur ce qui définit un être humain, la fantaisie apparente dégageant une émotion poignante lors de la bouleversante conclusion où tout se bouscule, les tiraillements de serpents verts passant de la séduction au sentiment bien réel et versant sa première larme, le moine perdant toute trace d'humanité en cédant à son prosélytisme religieux, tandis que Serpent Blanc y accède définitivement en se montrant capable d'enfanter. Choi Ark réalisait là une de ses œuvres les plus poétiques. L'esthétique baroque de Choi Ark, dans l'attention qu'il porte au corps et aux états des corps, dévoile l'origine Jang-woo du Green Snake. Les gros plans et le montage presque expérimental de The Blade nous expriment également cette idée. Dans The Blade, la caméra qui suit les mouvements aériens ou les chorégraphies comme si elle n'était pas soumise aux lois de la gravité évoque justement la contemplation spirituelle du Jang-woo. Nous avons accès à des images mentales. D'un autre côté, les gros plans et la mise en valeur sensuelle des corps par la transpiration, le sang, les mutilations et les palpitations nous ramènent à la matérialité de l'expérience humaine, tout comme le rôle de Valérie Cho, qui est une pure présence érotique, dans une certaine mesure, qui rappelle les performances de Maggie Cheung et Joey Wong dans Green Snake. L'œuvre, qui fait parfaitement corps avec la poétique du Jang-woo, à différents niveaux durant la période hongkongaise de Choi Ark, c'est bien sûr Time and Tide. Tous les dispositifs que le cinéaste a perfectionnés durant les années 90 sont exacerbés et d'autant plus pertinents, car il met littéralement en scène une apocalypse dans le sens d'une révélation de l'état ultime des corps, dans une tension constante entre la naissance et la mort. Le cinéaste applique le Jang-woo à l'espace hongkongais, espace qui, dans le réel, accorde une place importante aux gangsters, aux commerçants, aux prostituées, aux croyances syncrétiques et surtout aux artistes. Comme si Hong Kong était en réalité cet espace fantasmé et recomposé, dont les brigands et les artistes étaient les rois, et que cette dimension hongkongaise en permanente crise existentielle se transcendait dans Time and Tide avant de disparaître, du moins de cesser d'exister en tant que telle. L'industrie du cinéma hongkongais était elle-même une composante majeure du Jang-woo contemporain, tant sa décentralisation aussi politique que géographique et sa porosité de classe donnaient aux artistes les pleins pouvoirs pour recomposer une société entre charnel et contemplatif à travers le cinéma. Et c'est justement dans l'espace du Jang-woo que le cinéaste se révèle être dans la lignée d'une figure importante de la tradition socioculturelle chinoise, celle du poète. La filmographie de Choi Ark nous renseigne en filigrane sur le rôle de passeur qu'il joue dans la culture populaire chinoise. Il porte des visions et des formes anciennes de récits ou d'esthétique et les transmet à une plus large audience, ce qui leur assure une pérennité dans l'imaginaire commun. Ce rôle de passeur, de personne qui a un savoir sur les arts passés, est lié à la figure du poète érudit dans la tradition chinoise. Entre le lettré, le fonctionnaire et le philosophe, le poète est une figure incontournable de l'histoire chinoise. Aussi bien dans sa période hongkongaise que dans sa période continentale, le cinéaste capte une vision poétique aussi bien du monde contemporain que d'un passé fantasmé. Si l'on peut considérer que Hong Kong était l'âge d'or pour l'industrie cinématographique chinoise, et que les années 2010 en sont un nouveau pour la Chine continentale cette fois, alors Choi Ark, qui était à l'origine des deux mouvements, épouse la démarche du poète Li Bei. Li Bei est l'un des poètes chinois les plus importants. Lorsque les enfants apprennent à lire et à écrire, ils apprennent ses poèmes. Mais là où le parallèle devient intéressant avec le cinéaste, c'est que Li Bei est aussi la figure d'un âge d'or, et que ses poèmes évoquait aussi bien un passé fantasmé et onirique qu'un présent charnel et contemplatif. La dynastie Tang, qui a eu lieu entre le 7e et le 10e siècle, est considérée dans la culture populaire chinoise comme l'âge d'or de la poésie et des arts. Aujourd'hui, la dynastie Tang est omniprésente quand il s'agit de représenter une époque précieuse entre politique, croyances, arts et sciences. C'est le cas dans The Assassin de Wu Xiaoxian, La Cité Interdite de Zhang Yimou ou bien Les Détectives dits de Choi Ark. Alors que les Wuxia se situent dans des périodes antérieures ou postérieures à cette période, qui justement étaient vues comme stables,
du moins est perçue comme telle aujourd'hui. L'esthétique de la dynastie Tang offre aux cinéastes la possibilité d'explorer justement la poétique propre à leur art comme un écho aux poètes de l'époque. C'est dans cette logique que Choyark s'inscrit dans cette lignée en devenant une sorte de Li Bei du cinéma, qui réinvoquerait autant la virtuosité et l'expérimentation stylistique de l'auteur que son goût pour les femmes et l'alcool. Les similitudes dans la démarche des deux artistes sont fascinantes, comme le passé fantasmé qui, chez Choyark, s'exprime aussi bien envers l'histoire récente dans Les Îles étaient une fois en Chine, par exemple, que dans son traitement de l'histoire plus ancienne dans Seven Swords, mais également la volonté de s'inscrire dans une lignée, car Li Bei reprenait des mouvements stylistiques et thématiques de poètes qui le précédaient, tout comme Choyark, qui fait un remake de Dragon Inn de King Wu, ou adapte le passage de la cave des femmes araignées de Voyage en Occident dans son film Journée to the West 2, passage du livre qui a déjà été adapté deux fois dans l'histoire du cinéma chinois, dont un notable, car c'est l'un des premiers wuxia, et qu'il contient déjà la grammaire du genre en 1927, par Du Yudan. L'autre mouvement qui traverse la filmographie du cinéaste chinois, c'est la critique sociale et politique. Et cette critique trouve également une origine dans la poésie de la dynastie Tang, avec cette fois un autre grand poète, Du Fu. Contrairement à l'ivresse et l'onirisme de Li Bei, Du Fu était un poète du présent et du quotidien. Cette démarche lui permettait d'exprimer à travers sa poésie ce qui était critiquable ou notable dans la société de son temps. Choyark va également hériter de cette dimension politique du poète chinois, avec des œuvres qui évoquent soit le quotidien, le réel des Hongkongais, dans l'Enfer des armes par exemple, ou qui revendique une défiance envers les autorités, comme dans le Syndicat du crime 3, ou dans la trilogie Détective D. Dans la bataille de la montagne du tigre, le cinéaste va jusqu'à offrir une fin purement poétique et rebelle à une œuvre qui fut l'un des ciments de la culture post-révolutionnaire. Son statut lui autorise une liberté qui est effectivement celle d'un éternel insoumis à l'aune de notre expérience, mais qui s'avère en réalité très traditionnelle et conventionnelle à l'aune de l'histoire de la Chine. D'ailleurs, le terme Zhang Wu est également utilisé dans la poésie de Du Fu, comme une allégorie de sa volonté de ne devoir répondre à aucune institution. Si Choyark ne répond ni à la rigueur morale ou spirituelle, ni aux institutions sociales et politiques, c'est pour mettre en scène la transcendance des passions. C'est le débordement du désir qui unit le corps à l'esprit, qui confond justement le matériel et le spirituel, le réel et le rêve, qui intéresse le cinéaste. Avant de boucler la boucle avec un remake animé d'Histoire de fantômes chinois en 1997, Choyark se frotte à un monument en adaptant la légende des amants papillons en 1994. Les amours de Lon Chang-pak et Cho Ying-toi, datés du 9e siècle, constituent rien de moins que le Roméo et Juliette chinois. The Lovers est sans doute la plus équilibrée des relectures de contes traditionnels de Choyark, malgré l'angle une nouvelle fois provocateur choisi. L'élément déclencheur du récit vient d'un travestissement. Cho Ying-toi étant contrainte de se déguiser en garçon pour intégrer l'école de futurs lettrés, alors encore interdite aux femmes. Le récit classique évitait d'aborder frontalement l'aspect tendancieux bien présent, puisque Lun Changpak se découvre une attirance pour la jeune fille sans connaître son sexe réel. The Love Externe de Li Yanxiang, sorti en 1963, et version filmée du conte la plus connue jusque-là, abordait déjà involontairement cette ambiguïté. Dans la grande tradition du cinéma classique cantonais d'alors, les stars féminines étaient privilégiées. Les rôles des amants papillons étaient joués par deux femmes, dans la tradition de l'opéra de Pékin, ornant le film d'élan saphique inattendu, surtout par la présence de Betty Lottie, considérée comme la beauté chinoise classique. Si l'homosexualité féminine est tolérée à l'écran, car titillant les fantasmes hétéros, il en va tout autrement pour son versant masculin, véritable tabou chez le public cantonais. Alors que Wong Kar-wai à la même période transgresse l'interdit avec son Happy Together, Choyark s'engouffre dans la facette trouble du conte pour l'accommoder à sa mesure. Bien qu'il soit accoutumé aux personnages androgynes, comme l'invincible Asia, joué par Ling Chanxia dans Swordsman 2, il s'était montré peu à l'aise avec le thème jusqu'ici, comme le montrait la troupe de théâtre masculine très caricaturale de Pékin Opéra Blues. The Lovers n'est pas totalement dépourvu de ce genre d'éléments discutables, mais Choyark fait preuve d'une subtilité et d'un aplomb étonnant, en faisant céder Lun Changpak à sa passion pour Chung Ying-toi avant même de connaître son identité féminine. Un beau tour de force qui malmène la légende tout en la faisant retomber dans sa veine classique connue de tous. Choyark respecte ainsi la trame originale, tout en maintenant constamment ce double niveau de lecture. Les deux jeunes acteurs, Charlie Young et Nicky Wu, trouvent là les rôles de leur vie, touchants et drôles à la fois dans l'amitié puis l'amour les unissant progressivement.
La première partie dans l'école dévoile de purs moments de charme et d'émotion à travers l'entraide mutuelle de Long Cheng Pak et Chung Ying Toy. Thierry Arc distille ses thèmes sociaux, par exemple l'étudiant pauvre devant travailler pour payer ses études, et ses penchants féministes, avec sa volonté d'émancipation face au carcan de la toute-puissance masculine, incarnée par le père tyrannique. L'univers bariolé de Greensnake laisse place à une reproduction idéalisée et magnifiée des décors studios de la Shaw Brothers. Choi Ark, en cinéphile averti, s'inspirant visuellement du film de Li Yanxiang. Toute la quête filmique, thématique et émotionnelle de Choi Ark à travers le conte chinois est atteinte lors d'une séquence clé de The Lovers. Chung Ying Toy, puni par un professeur, est contrainte de porter sa lyre les bras levés jusqu'au coucher du soleil. Ses forces l'abandonnent quand Le Chang Pak empoigne son instrument pour lui jouer une douce mélodie afin de la soutenir. Cette chanson n'est autre que le thème de l'opéra de 1958, inspiré des Amants Papillons, un des thèmes musicaux les plus connus en Chine. Par la sublime réorchestration de James Wong, la fusion entre passé et présent, tradition et modernité est réalisée. Au début du film, Lung Chang Pak est accusé par un professeur de manquer de grâce dans son jeu, car il n'est jamais tombé amoureux. Cette fois, ses sentiments s'élèvent au firmament des notes magiques qu'égrène son instrument, ravivant les forces de Chung Ying Toy, alors qu'un montage alterné illustre la fusion s'opérant entre eux. Si Choi Ark met en scène le désir, l'amour et la fusion, il met également en scène dans un mouvement presque taoïste les passions opposées et pourtant indissociables. Ainsi, dans Journée to the West 2, The Demon Strike Back et Détective Di, La Légende des Rois Célestes, le cinéaste chinois met en scène la répulsion, la haine et la colère. Dans une sorte de symétrie symbolique, il va montrer comment ces émotions sont également des expériences de transcendance, par-delà la dualité du Jiangwu. Dans Journée to the West 2, il montre Sun Wukong, le roi singe, rongé par la colère et le ressentiment, qui affronte la personnification de la colère infantile avec le faux roi du palais, le Red Boy dans le roman original, qui pourrait évoquer par son apparence et ses techniques durant le combat le personnage mythologique de Neza, personnage qui est une allégorie de la révolte et de l'énergie provocatrice de la jeunesse. La mise en scène, qui ne cache pas les CGI, tend à imiter un combat tel qu'il apparaîtrait dans un animé, ce qui donne une emphase au caractère immature de l'affrontement, comme si justement la colère était un sentiment qu'il fallait surmonter avec l'expérience, tout comme l'enfance. Mais l'approche théorique du cinéaste va beaucoup plus loin, car au détour d'un dialogue, l'un des personnages qui utilise la magie et dissimule son apparence commente explicitement l'utilisation des effets spéciaux, comme un nouveau régime de croyance, en disant que l'important n'est pas que cela paraisse vrai, mais que justement, on parvienne à faire croire à du faux en tant que faux. Dès lors, le moine et Sun Wukong vont tout au long de l'œuvre se perdre dans l'interstice vertigineux que nous offrent les passions négatives entre matériel et spirituel. Cela va définir l'opposition entre les deux figures, les deux niveaux de croyance, jusqu'au final apocalyptique, avec un combat qui, par ses proportions cosmiques, nous signale pour la dernière fois que la transcendance qui anime le cinéma de Choi Ark n'est pas seulement une affaire d'harmonie entre l'homme et ses passions, mais entre l'homme et le vivant, le cosmos. Dans Détective D3, Choi Ark poursuit sa réflexion esthétique sur la valeur des illusions.
Direnji est confronté à des phénomènes surnaturels qui menacent l'empereur et son entourage. Ce que cachent ces illusions révèle aussi bien la corruption et les jeux de pouvoir au sein de l'Empire que la fausse stabilité du pouvoir, qui n'est pas considérée comme légitime par une minorité ethnique qui a soif de revanche, en jouant sur la confusion de ses attaques illusoires, de ses manipulations du réel pour se l'accaparer, l'épée au cœur de l'œuvre étant une pure allégorie. Si l'on examinait les forces en présence dans l'œuvre et qu'on tentait de dresser un parallèle discursif sur la situation du cinéma de Tsui-Hark dans le spectre politique chinois bien réel, il est clair que le cinéaste dans sa forme révolutionnaire cherche l'harmonie à tous les niveaux et ne porte pas d'affect négatif envers la situation actuelle, même s'il la critique. Il n'est pas là pour la destruction des ennemis idéologiques, mais pour la création comme une illusion commune, une harmonie des croyances. Le groupe ethnique qui agit par vengeance est renvoyé à ses relations avec les membres corrompus de l'Empire, comme si les deux forces du chaos s'annulaient, pour que triomphe non pas la raison qui est personnifiée par Dierenji, mais la paix, comme une cohabitation harmonieuse des différents affects, qui est symbolisée par le moine. Détective D3 s'applique à nous montrer que face au ressentiment et à l'égoïsme, la raison est limitée, et que seul un horizon commun, une croyance partagée, donc une forme de solidarité est nécessaire. Car comme le montre la scène de l'affrontement entre le moine et le chef du groupe des sorciers, qui est un combat virtuel, aussi bien dans la diégèse que dans la réalité, c'est un combat intime que chacun doit mener, et qu'il ne peut y avoir de révolution politique sans harmonie dans le rapport des individus à eux-mêmes. 冷玉斋不满毒药，这是个陷阱。既然群龙无首，为保治安，寡人只好宣布接管大理寺。当年三藏法师天竺论经研究如何破解方术催迷信徒之法，如今法师已圆寂，这破解之道。 只能靠他的徒弟元策大师了，你去找元策大师来破这个局。又是百年玄玉阴谋，浮世苦海回头是岸呐。这场恩怨情仇，贫僧不该出手，你还是回去吧。 C'est là où l'esthétique digitale du cinéaste est juste. C'est quand elle parvient à figurer les combats allégoriques et spirituels au cœur des enjeux politiques, mais également lorsqu'elle nous permet de ressentir l'étrange confusion qui marque notre époque à travers l'omniprésence des écrans, donc des différents niveaux de réalité et des perceptions altérées de l'existant. Ainsi, Tsui-Hark se sert des outils théoriques des poètes chinois, comme la dualité du Zhongwu, pour affirmer le fait politique inhérent à son cinéma. Face au chaos du monde, il ne peut y avoir de solidarité sans paix avec soi-même, et que la création est nécessairement un espace de lutte entre nous et le réel. Et comme l'écrit Frantz Fanon, dans Les damnés de la terre, le racisme, la haine, le ressentiment, le désir légitime de vengeance ne peuvent alimenter une guerre de libération. Ces éclairs dans la conscience, qui jettent le corps dans des chemins tumultueux, qui le lancent dans un onirisme quasi pathologique, où la face de l'autre m'invite au vertige, où mon sang appelle le sang de l'autre, où ma mort, par simple inertie, appelle la mort de l'autre. Cette grande passion des premières heures se disloque si elle entend se nourrir de sa propre substance.愁山万重，恨海无边。撤除杀气，放走恶鬼。